On va le régler comme il faut. Et ce soir, on va parler de choses graves, de choses sérieuses, avant d'attaquer le live. Il en va de votre propre sécurité, hein. Pas physique, hein, mais je vous le. Comment ça s'appelle? Je préfère vous le dire. Je ne sais pas qui était là pour le live hier soir qui a eu lieu. Mais vous avez dû vous apercevoir qu'à un moment donné, pendant le live, il y avait un membre soutien qui s'appelle Adrien Fauvet, qui a fait un don à un moment donné. Il est arrivé, il a dit bonjour, il a fait un don. Et aussitôt après, en fait, la situation a dégénéré avec Adrien Fauvet. C'est-à-dire que d'un seul coup, les messages partaient en vrille. Il y avait quelqu'un qui menaçait de pirater des comptes. Il y avait quelqu'un qui était là et qui disait « Mais qui suis-je ?» J'écoute, qui narguait tout le monde, etc. Adrien Fauvet, il faut savoir que c'est un membre soutien depuis maintenant le début de l'ouverture du programme Membre Soutien. Mais c'est quelqu'un qui me suit depuis 7 ans. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment très fidèle et qui était là au tout début de la chaîne. Alors ce qui s'est passé, en fait, hier soir, je vais vous le dire. Et je vous expliquerai pourquoi. Ce qui s'est passé hier soir, c'est que quelqu'un a piraté le compte d'Adrien Fauvet. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a fait le don et une fois qu'il a dit bonjour, quelqu'un a pris la main sur sa chaîne YouTube avec un VPN, avec des trucs comme ça, et s'est fait passer pour lui. Donc en fait, quelqu'un a usurpé son identité. Pourquoi faire? Pour venir foutre la merde, en fait, sur ma chaîne, pour m'emmerder moi. Pour m'emmerder moi. Alors, moi, je tiens à dire aux personnes qui souhaitent m'emmerder que vous pouvez m'emmerder. Je suis un youtubeur, je suis un personnage public. Vous avez envie de m'emmerder, vous pouvez m'emmerder. Vous pouvez venir me casser la gueule. Vous pouvez venir faire tout ce que vous voulez. J'en ai absolument rien à foutre. Vous faites ce que vous voulez. Vous ne m'aimez pas, c'est pas grave. Vous n'aimez pas ma façon de parler, ma façon de faire la chaîne, c'est pas grave. Mais ne vous en prenez pas à ma communauté. D'accord? Adrien Fauvet, il a passé une très mauvaise nuit. Adrien Fauvet, il a été à la gendarmerie ce matin. Il a expliqué ce qui s'est passé. Alors vous qui vous croyez à l'abri derrière vos claviers, etc., sachez que la gendarmerie, elle a les moyens de savoir qui a fait ça. Alors dans un premier temps, ils ont confirmé à Adrien Fauvet que son... je l'ai eu cet après-midi, Adrien, on en a discuté. Ils ont effectivement constaté que quelqu'un avait piraté son compte avec un VPN. Ils ont les logiciels adéquats pour pouvoir désactiver la prise en main de la personne qui avait piraté son compte. Et ils ont désactivé donc en fait le VPN de la personne en question. Et ils ont demandé à Adrien de changer son mot de passe tout de suite. Et Adrien avait fait une erreur que je vous conseille de ne pas faire. Et je vous encourage tous à faire ce que le gendarme a dit à Adrien Fauvet. Moi, c'est ce que je fais. Il n'avait pas la double authentification. Donc du coup, quand vous n'avez pas la double authentification, je sais que c'est chiant, parce que quand vous connectez quelque part, il faut attendre un SMS pour rentrer un code, c'est chiant, mais quand on s'appelle, vous risquez pas de vous faire pirater. Parce que pour vous pirater, il faut aussi que le mec il ait votre téléphone. Puisque quand vous avez la double vérification, quand vous vous connectez quelque part, l'endroit où vous vous connectez, lui voit que c'est pas avec l'appareil habituel que vous vous connectez, que ce soit un PC, que ce soit une console, une tablette ou quoi au caisse. Donc du coup, il envoie un message au téléphone portable pour avoir l'assurance que c'est bien vous qui êtes en train d'essayer de rentrer sur votre compte. Le mec qui essaye de vous pirater peut pas vous avoir volé votre téléphone aussi. Donc voilà, tous les gens qui se font pirater en règle générale sont ça. Alors moi, je suis très embêté. Je suis très embêté parce que, en fait, Adrien Fauvet, qui est un mec adorable, qui me suit depuis 7 ans, comment s'appelle, a passé une nuit de merde, parce qu'il ne pouvait pas accéder à son compte, etc. On a utilisé son nom, on a usurpé son identité, et on a dit des choses dégueulasses en son nom, comment s'appelle, et du coup, ça rejaillit sur sa personne. Donc, bien évidemment, il a fait un dépôt de plainte, bien évidemment. Je vais m'associer à ce dépôt de plainte. Je vais faire le nécessaire aussi pour appuyer sa plainte. Le gendarme à qui il a posé la question, est-ce qu'à un moment donné, comment ça s'appelle, on saura qui c'est, etc.
lui a dit, ne vous inquiétez pas, on saura qui c'est. On ne le saura pas demain, on ne le saura pas après-demain, mais on a les outils nécessaires. On va remonter à la personne, et quand on sera remonté à la personne, on vous recontactera, et puis on verra si vous maintenez votre plainte, si ceci, si cela. Alors, Adrien maintiendra sa plainte, ça c'est clair. Moi, je l'appuierai derrière. Et la personne en question, elle est mal, elle est très très mal. Et ça, je le dis pour les autres qui voudraient faire un peu la même chose. Vous n'êtes pas à l'abri derrière votre clavier. Vous allez vous taper usurpation d'identité dans le code pénal, ça fait très mal. Vous allez avoir de la prison avec sursis, ça c'est le minimum. Et vous allez avoir des amendes à payer. Si vous êtes mineur, c'est vos parents qui vont payer. OK ? Et vous allez avoir un casier judiciaire, et puis pour votre vie, ça va être très compliqué. Alors il va falloir arrêter de faire les cons. Quand vous n'aimez pas les gens, quand vous n'aimez pas un youtubeur en particulier, parce qu'il a une façon de faire différente, parce qu'il n'a pas envie de faire comme les autres, parce qu'il préfère vous dire les choses de manière honnête, parce que du coup les autres se sentent agressés, parce que, ah mon Dieu, il m'attaque, parce que voilà, il fait pas comme tout le monde, il dit que je suis un menteur. J'ai jamais dit que les gens étaient des menteurs. Attaquez-moi, moi, faites-moi ce que vous voulez. Croisez-moi dans la rue, mettez-moi des coups de latte si vous voulez. Mais ne vous en prenez pas à des gens qui n'y sont pour rien. Adrien Fauvet, il n'a rien demandé à personne. Les gens qui sont dans le chat aujourd'hui, ils n'ont rien demandé à personne. Ils sont venus pour passer une bonne soirée. Alors, les jalousies, les conneries, les machins, d'autant que j'ai un doute et je sais qui c'est. Je sais qui c'est. Je sais aussi qu'il y a des gens qui se sont fait passer pour des Jean-Marie Le Pen. Et il va se reconnaître s'il écoute. Et qui sont venus foutre la merde sur le chat. Des gens qui m'étaient proches. Qui attendaient des choses de moi, qui voulaient profiter de moi, et je m'en suis aperçu et je les ai éjectés. Donc, après, il faut vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Ça, c'est des procédés de gamins. Il y a zéro excuse, il y a zéro pardon. Vous avez vu le web, ce que c'est devenu? Il y a une petite gamine qui était atteinte d'une maladie dégénérative où elle vieillissait, en fait, je ne sais plus comment ça s'appelle comme maladie. Elle avait une chaîne YouTube, 3 millions d'abonnés. Les gens venaient lui dire qu'elle était moche, qu'il fallait qu'elle se suicide, etc. Elle est morte il n'y a pas longtemps. Elle est morte il n'y a pas longtemps, cette pauvre Dahlia. On incite. Mais vous êtes tarés ou quoi sur YouTube? Vous êtes devenus des débiles profonds? Allez dire à des gens de se suicider parce qu'ils sont pas beaux? Allez emmerder des gens parce que vous n'êtes pas d'accord avec eux? Allez pourrir des communautés parce que les gens ils veulent juste se détendre, passer un bon moment? J'en ai marre de ces conneries, j'en ai marre de ces conneries. Ça a été Jonathan qui m'a cassé les couilles pendant un moment. Ça a été machin qui m'a cassé les couilles. Les autres, arrêtez de me faire chier. Parce que je veux pas faire comme les autres. Je ne ferai pas comme les autres. Je ne ferai jamais comme les autres. J'irai pas sucer Sony. J'irai pas sucer Electronic Arts. J'irai pas sucer personne. Je ne suce même pas Ubisoft. Je dis ce que je pense. Vous êtes fan de franchise? Vous êtes fan de licence? Ça vous fait pas plaisir qu'on vous dise la vérité? La vérité fait pas toujours plaisir. C'est de l'information. C'est pas moi qui l'invente. C'est pas moi qui l'invente. C'est pas moi qui, quand Sony l'a dit, tous nos jeux seront machin, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux. Moi, je n'ai fait que rapporter ce qu'ils ont dit. Ça vous plaît pas? Ne vous en prenez pas à moi. Ne vous en prenez pas à ma communauté. Prenez-vous-en aux autres. Vous êtes des... Je sais pas comment vous qualifier. Vous êtes minables. Vous êtes minables, mais sachez bien qu'à partir de maintenant, tous les dépôts de plainte, tous les trucs que jusqu'à maintenant, je faisais des mains courantes. Une main courante, c'est juste pour dire, il s'est passé ça. Maintenant, ça sera dépôt de plainte sur dépôt de plainte. Ça va être, je vous préviens que les mecs, quand ils vont vous retrouver, je me porterai partie civile, et je vais vous faire vendre votre maison, je vais vous faire vendre tout ce que vous avez, je vais vous faire payer à vie, juste pour dissuader les autres. Et si vous êtes mineur, vous vous démerderez avec vos parents. Parce que inciter les gens au suicide, je parle pas de moi, hein, mais moi, on m'a menacé de mort à l'époque de Jonathan. J'ai tous les messages, hein. On m'a menacé de mort, on m'a machiné, mais etc. YouTube n'en a rien à foutre. YouTube s'en fout complètement. YouTube, quand je les ai contactés, ils m'ont dit contactez la police. Je voulais pas le faire. Je voulais pas le faire parce que je me suis dit, bon, t'es un personnage public, tout ça, machin. Mais là, ça va trop loin. Que vous m'attaquiez, moi, allez-y, faites-vous plaisir. Venez, dites-moi que je suis un connard, tout ce que vous voulez, machin, compagnie. Mais foutez la paix à ma communauté. OK? Donc, ce que je voudrais ce soir, c'est que tous,
qui êtes dans le chat, tout ce qui est dans le chat, pardon, je ne lis pas vos messages, hein, je lirai après. Tout ce qui est dans le chat, je veux absolument que vous protégiez vos comptes YouTube, vos comptes Uplay, vos comptes, tous vos comptes. Mettez-vous avec la double sécurité. Faites-le, la double protection, faites-le vraiment, parce que là, vous serez à l'abri. Bon, il peut y avoir un machin, mais vous serez à l'abri, faites-le. Je suis désolé pour hier soir. Je sais pas où me mettre par rapport à Adrien, parce qu'il a passé une sale nuit et parce qu'il était obligé d'aller passer 2h30 au commissariat. Tout ça parce que des mecs voulaient m'emmerder moi et que c'est lui qu'ils ont emmerdé en fait. C'est juste lamentable. C'est juste lamentable. Et ça, il faut arrêter. Je sais à qui tu penses pour le piratage, mais tu te trompes royalement. Mais je n'ai rien dit, Seb Plisken. Je n'ai rien dit, Seb Plisken. Je n'ai rien dit. Ok, je dis rien. La gendarmerie s'en chargera. La gendarmerie, c'est pas grave. Hein. C'est la gendarmerie s'en chargera. Ils vont trouver. Hein. Ils lui ont dit, Adrien, on va savoir qui c'est. Faut juste que vous soyez pas pressé. C'est tout. Tu sais, hein, c'est pas grave. Hein. Le mec, même si ça prend un an, même si ça prend un an et demi, quand les gendarmes vont arriver à sa porte. Bah. Donc, comment ça s'appelle ? Vous mettez la double vérification sur tous vos comptes. C'est chiant, je sais, c'est chiant, mais vous êtes bien protégés. Et à ceux, comment ça s'appelle, qui veulent m'emmerder moi pour des raisons XY, j'en sais rien. Je vous plais pas, je vous aime pas, vous avez voulu profiter de moi et puis vous n'avez pas pu. J'ai dit des trucs sur des gens qui n'ont pas aimé. Bah écoutez, je vais vous montrer un truc. On va remonter en 2014, si ça dérange personne. On va remonter en 2014, et en 2014, je vais vous montrer ma première vidéo que j'avais faite. Et contrairement à d'autres de mes confrères, j'ai jamais varié d'un iota. Je vais vous montrer, alors ça c'était Titanfall, ça je vais vous montrer mon premier logo. Ça c'était le... Là, c'était le 14 mars 2014. Le 16 juin 2014, ça donnait ça. L'alien du web. Parce que il m'avait fallu quelques mois pour comprendre, en fait, que quand on est sur YouTube, il faut rentrer dans le moule. Il faut rentrer dans un moule. Il faut faire comme les autres. Il faut dire, oui, c'est merveilleux ce jeu, oui, c'est merveilleux cela, machin. Et moi, je ne voulais pas faire ça. Moi, naïvement, je me suis mis sur YouTube en me disant, bah, les gens, je vais leur dire, voilà, ça va pas, machin. Alors attention, je ne dis pas que tous les YouTubeurs sont comme ça. Mais tous ceux qui veulent réussir, tous ceux qui veulent absolument machin, billet et compagnie, ils vous racontent des conneries, ils vous manipulent, ils vous disent ce que vous avez envie d'entendre. Et évidemment, quand quelqu'un comme moi passe derrière et puis se contente de dire la vérité, bah on me dit régulièrement, ouais, t'es anti-ceci, ouais, t'exagères, ouais, t'es machin. Mais moi, je vous dis pas ça pour vous dégoûter des jeux. Moi, je vous dis ça pour que vous ayez deux sons de cloche. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, c'est ce que je veux faire. Et je me suis très, très vite rendu compte qu'au milieu de tous les gens qu'il y avait sur YouTube, bah, quelque part, j'étais un alien. Voilà. Et après, plus tard, j'ai voulu faire de l'actu, et l'actu gaming, machin, vieux, les compagnies. Il fallait une équipe, tout ça, ça s'est pas bien passé, il y a eu des choses bien, machin, etc. Donc quand j'ai vu que c'était pas possible de faire comme ça, j'ai arrêté et je suis redevenu l'alien du web, ce que j'étais au départ, je suis revenu aux sources. Voilà, point barre. Et pour vous dire à quel point, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais pour vous dire à quel point, je tiens à ma communauté et que je ne fais pas n'importe quoi. Au début que j'ai lancé ma chaîne, elle n'était pas monétisée. Je n'avais jamais demandé de monétisation. Je faisais ça vraiment par comme passe-temps, pour me faire plaisir, par passion, etc. Et je vais vous faire écouter une vidéo qui date du 18 novembre 2014. Et cette vidéo-là, je ne sais pas s'il y a beaucoup de youtubeurs qui l'ont fait. Parce que dans cette vidéo-là, je demande la permission à mes abonnés de monétiser ma chaîne. Parce que je partais du principe que les gens qui me suivaient déjà depuis plusieurs mois n'étaient pas habitués à venir sur la chaîne avec des publicités, être dérangés avec des publicités, etc.
ils étaient venus comme ça, donc je leur avais demandé la permission de Vous connaissez beaucoup de youtubeurs, vous, qui demandent la permission à sa communauté de monétiser sa chaîne pour essayer un peu de rentrer dans ses frais, parce que les jeux, c'est nous qui les achetons. Non, les mecs, ils motisent, ils monétisent, point barre. OK ? Donc, je vais vous faire écouter cette vidéo-là. Comme ça, vous verrez en même temps la qualité de la chaîne à l'époque et tout, puis vous verrez voir qu'il y a eu une évolution. Moi, pendant ce temps-là, je vais me détendre un petit peu. Je vais aller me fumer une clope pendant que je vous laisse regarder ça. Et fumer, c'est mal, hein, je le rappelle. Par contre, comment ça s'appelle ? Les gens qui veulent me nuire, qui veulent m'emmerder, qui sont jaloux, machin et compagnie, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc. Ce que vous faites, l'effet que vous voulez avoir, vous ne l'avez pas. Vous voyez comment je suis aujourd'hui ? J'ai jamais été autant déterminé. J'ai jamais été autant motivé. J'ai jamais été autant avec la steak pour vous la mettre bien profond, pour que la chaîne devienne une chaîne référence, pour que les abonnés ne m'aient pas soutenu pour rien, pour que machin, etc. Et puis pour que vous soyez vraiment, mais alors, tu vois, que vous disiez, voilà, pour vous mettre mal. Là, ce que vous faites, c'est, vous ne me découragez pas, vous ne me donnez pas envie d'arrêter, vous me donnez la niaque. Mais vous vous en reprenez à mes abonnés, je vous jure que ça va mal se passer. Je vous jure que ça va mal se passer. Jure. Alors, je menace personne, aucun truc physique, rien du tout. Hein. Mais je sais qu'un certain Jean-Marie, qui ne s'appelle pas comme ça normalement, et j'en connais d'autres, ils vont se reconnaître. Alors, cette plisken, tu peux venir me dire, c'est pas ce que tu crois, mais dans le lot, il y en a. Dans le lot, il y en a, d'accord ? Donc, arrêtez vos conneries. La communauté de Jonathan, arrêtez vos conneries. Toutes les communautés, arrêtez vos conneries, parce que ça va très mal finir pour vous. Parce que moi, je ne baisserai pas les bras. Que ça soit bien clair. C'est dégueulasse d'aller s'en prendre à des gens qui sont pour rien. Je trouve ça dégueulasse. Je vous laisse regarder cette vidéo, je vais me fumer une clope, je me bois une Ricoré, je reviens tout de suite, et après, on va sur God of War, et je vais me détendre. Je vais prendre un petit cacheton et je vais me détendre. T'as partagé ? Évidemment que j'ai partagé. Et liké aussi ? Bah ouais. Salut, c'est Lastangel. Alors une petite vidéo vraiment, vraiment très particulière aujourd'hui. Parce que en fait, j'ai besoin de vous consulter, d'avoir votre avis, parce que la chaîne, certes, c'est moi qui l'a fait, mais c'est vous qui l'utilisez. Donc vous avez votre mot à dire et je vais avoir des décisions à prendre. Donc je voulais pas prendre de décision sans vous avoir consulté et vous en avoir parlé avant. Alors rassurez-vous, hein, y a rien de grave, hein, au contraire, c'est plutôt quelque chose de positif, je pense. Alors, mais c'est vous qui allez me le dire. Hein. Donc vous avez remarqué que depuis quelques temps, le nombre d'abonnés augmente et je suis vraiment super content de ça. Là, on est presque à 400 abonnés, si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, celui qui va arriver 400e, il le sait pas ou il va le découvrir avec cette vidéo. Il va lui tomber un cadeau sur la tronche parce que j'avais fait une vidéo spéciale pour le 100, une vidéo spéciale pour le 300. Je ferai évidemment, je vous l'avais dit, une vidéo spéciale pour le 500. Mais il n'empêche qu'au 200e, je lui avais mis un petit truc comme ça par surprise. Et puis le 400e, ça va être pareil. Donc le but de la vidéo, c'est pas ça, c'est que je voulais vous dire, voilà, ça va faire à peu près 2 mois que j'ai commencé à recevoir des mails, alors pas en quantité industrielle, hein, mais j'ai reçu à peu près 5 mails sur ces 2 derniers mois de Network qui me proposaient de faire un partenariat avec eux. Alors il y a 4 networks américains et un network français. Je vous dirai pas les noms parce que peu importe, on s'en fout, c'est pas là le problème. Donc il me proposait de monétiser ma chaîne et de parce que vous avez peut-être remarqué qu'elle n'est pas monétisée, ma chaîne, parce que si j'avais voulu faire ça pour l'argent au départ, d'entrée j'aurais fait la monétisation, hein, y a pas de souci à ce niveau là j'avais juste à cocher et puis c'était fait. Mais je l'ai pas fait parce que je trouvais que c'était un peu chiant d'avoir les pubs qui s'affichent avant les vidéos, machin, etc. Et puis voilà. Et
Bah, vous n'êtes pas sans savoir que je ne suis pas non plus quelqu'un d'aisé, c'est pas parce que j'achète beaucoup de jeux que forcément j'ai beaucoup d'argent. Vous pouvez me croire quand je vous dis que je me prive sur pas mal de choses pour acheter ça. Mais si j'achète ces jeux, etc., c'est pour pouvoir les mettre bien entendu sur la chaîne, pour pouvoir faire de l'audience, pour justement comment dire, me donner ma chance sur YouTube, entre guillemets, si vous voulez. On n'a rien sans rien, dans la vie il faut faire des sacrifices. Alors oui, peut-être qu'à vos yeux, si vous voulez, j'ai beaucoup d'argent, j'achète des jeux, mais il faut savoir que à côté de ça, il y a plein de choses que je me prive. Je ne vais pas vous rentrer dans le détail parce que c'est des choses qui, entre guillemets, ça ne vous regarde pas, mais c'est juste pour vous dire que voilà, donc jusqu'à maintenant, j'avais pas trop prêté attention à ce côté monétisation. Et là, je suis rentré en contact donc avec le network français dont je vous ai parlé. J'ai discuté un peu avec un de ses représentants et j'ai trouvé quelqu'un vraiment déjà de compétent, de très sympathique, qui croyait vraiment en ce qu'il faisait et qui n'était pas là pour démarcher dans un but lucratif ou autre, ou corrompre ou quoi que ce soit. C'était pas du tout ça. J'ai vraiment eu quelqu'un à l'écoute de mes besoins pour la chaîne, etc. Et il me propose des choses qui, au-delà de la monétisation, évidemment, m'intéressent, notamment au niveau du référencement des vidéos, etc., qui me permettrait d'être mieux référencé, et ça m'intéresse également. Mais le fait que j'accepte un partenariat avec un network, que ce soit celui-ci ou que ce soit un autre, implique qu'il va y avoir des petits changements sur la chaîne. Alors rien de violent, hein, ça va juste être, comme sur beaucoup de chaînes où vous allez. Là, il n'y avait pas de pub, maintenant il y aura des pubs, si j'accepte la proposition, bien sûr. Et donc, vous aurez cette petite contrainte. Moi, n'imaginez pas que du jour au lendemain, je vais gagner énormément d'argent, puisqu'on en a discuté. Et grosso modo, puisque moi aussi, j'étais curieux d'avoir un ordre d'idée et de savoir à peu près ce à quoi ça allait me rapporter, entre guillemets. Et grosso modo, c'est de l'ordre de à peine un jeu par mois, et avec de la chance, d'ici quelques mois, peut-être deux jeux. Donc vous voyez, on est loin de la grosse fortune. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout, comme je vous disais, la gestion du référencement des vidéos, déjà, qui m'intéresse, parce que moi, ça va monter du travail à faire. Je vais pouvoir me consacrer un peu plus aux vidéos, puisque c'est pas moi qui vais m'occuper de ça, entre guillemets. Ça sera mieux représenté dans le référencement, et ça sera pas à moi de le gérer. Et croyez-moi que faire les tags, etc., c'est pour trouver les bons, bien se référencer, etc., surtout quand on n'y connaît rien à ce niveau-là, c'est assez galère. Donc ça, c'est un côté qui est déjà assez positif pour moi. Et puis, même si ça me rapporte qu'à peine un jeu par mois, c'est toujours ça que j'ai pas à dépenser, et croyez-moi, ça va vraiment m'aider de ce côté-là. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous le souhaitez, hein, y a toujours le petit bouton PayPal, hein, de temps en temps, si vous pouvez filer un petit coup de main, ça éviterait d'essayer de trouver des solutions comme ça, déjà. Mais bon, c'est juste comme ça, je vous dis ça comme ça en passant. Mais voilà, donc je voulais quand même votre avis, savoir votre ressenti, si vous êtes pour, si vous êtes contre, ce que vous en pensez. Alors ça ne veut pas dire que je vais absolument suivre votre avis. Mais je vais tenir compte évidemment de vos avis, je vais voir un petit peu votre ressenti, ce que vous en pensez. Et je voulais rien faire avant de vous en parler et puis de voir un petit peu vos réactions. Et d'avoir aussi des conseils de votre part, des choses comme ça. Voilà, donc comme jusqu'à maintenant j'ai toujours essayé d'être le plus proche de vous possible et qu'il est hors de question que ça s'arrête. Et de toute façon, moi en ce qui me concerne, j'ai bien discuté avec la personne que j'ai eue au téléphone. Il est hors de question qu'on me dicte une ligne éditoriale, qu'on me dise ce que je dois faire ou quoi au caisse. Hein, je serai toujours le même que je suis depuis le début, et ça ne va absolument rien changer dans ma façon de travailler, de ce que je faisais avant. Sinon, évidemment, s'éteignait tout de suite. Quoi, hein, ça n'a aucun intérêt pour moi, sinon. Hein. Moi, ce qui m'intéresse encore une fois, c'est que ça va me simplifier le travail sur certains plans. Ça va évidemment ça va me faire économiser grosso modo à peu près 30 euros par mois, dans l'idée, et encore, hein, ça c'est même pas sûr. Et puis voilà, donc voilà, donc je voulais vous en parler parce que je voulais pas que ça arrive, que ça tombe comme ça sur la chaîne et que vous n'ayez pas été prévenu ni quoi au caisse. Puis je veux savoir ce que vous en pensez, et puis voilà.
Donc, si vous pouvez me répondre là, dès que vous avez vu la vidéo, ça m'arrange bien, parce que moi-même, de mon côté, j'ai un... Si je faisais affaire, enfin affaire, pas affaire, parce que ça va tout de suite, ça... Si je me décidais à entrer en partenariat donc avec ce network, je dois lui répondre assez rapidement, on va dire. Donc j'aimerais avoir votre ressenti le plus rapidement possible. Et voilà. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous remercie tous d'être fidèles comme vous l'êtes. Je vous remercie tous d'être présents sur la chaîne et de participer à son évolution. Et on va peut-être encore avoir des nouveaux parmi nous. Et puis ça sera que mieux, parce que comme ça on pourra échanger plus les uns avec les autres. Et puis on pourra faire plus de choses. Et voilà, donc j'ai pas oublié, hein, on va jouer ensemble, hein, je vous l'avais dit, sur BF3, etc. Je vais préparer une vidéo pour annoncer ça. Je vais préparer une vidéo pour les nouveaux concours aussi également. Ça c'est pareil, ça m'aiderait aussi un petit peu au niveau des concours à continuer à les faire. Enfin, vous voyez, il y a plein d'avantages et finalement il y a peu d'inconvénients si je résume bien entre guillemets. Mais pour moi, votre ressenti est important. Voilà, donc je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous et des gens qui vous aiment. Allez, bye. Et si je partage pas, tu vas me faire quoi? Voilà, et ça, rassurez-vous, ça y est, je suis calmé, ça va bien, tranquille, machin, bidule. Donc, je sais pas s'il y en a beaucoup qui... Il y en a certains, oui, qui sont là depuis un sacré moment. Est-ce que vous avez l'impression, quand vous regardez une vidéo comme ça, qui a 8 ans, enfin presque 8 ans, est-ce que j'ai changé? Est-ce que je ne m'en suis pas toujours tenu à ce que j'ai dit depuis le début? Depuis le début, j'ai toujours dit que je ne changerai pas de ligne éditoriale, que je ne ferai pas de la hype pour faire de la hype, etc. Bien que je sache que ça me desserve et que les gens préfèrent rêver plutôt que, comment dire, avoir de vraies informations, etc. J'ai toujours été au plus proche de ma communauté. J'ai toujours voulu que les gens qui me suivaient soient, alors à l'époque, je ne savais pas faire grand-chose. Il y a quand même une évolution par rapport à maintenant. Je ne savais pas faire grand-chose. J'ai appris, j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Je pourrais faire des vidéos, hein, comme on voit, on met juste un truc dans le cadre, là, machin, truc bidule. Mais non, je veux que les gens, ils aient une qualité, je veux que, etc. Et je me suis donné les moyens et j'ai été jusque là où j'en suis et j'espère que j'irai plus loin. Quand je dis des choses sur des jeux, tiens, je veux faire une correction tout à fait. Tout à l'heure, j'ai dit une bêtise. Comment ça s'appelle? C'est pas Anthony Fauvet, c'est Anthony Bézard qui a été embêté hier. Je suis désolé, j'étais énervé, je me suis emmêlé les pinceaux. Et Anthony, je vois que tu viens d'arriver, je m'excuse encore vraiment auprès de toi, parce que, comment ça s'appelle, c'est à cause de moi, parce que des gens voulaient me nuire, que c'est toi qui t'es fait pirater ton compte, c'est toi à qui on a... nous, hier, on croyait que c'était toi, tout de suite, on n'a pas percuté, donc on t'a fait dire des choses, on a usurpé ton identité, donc c'est lamentable. Mais, ce que je voulais mettre en avant ce soir, c'est que maintenant, ça va être tolérance, mais plus que zéro, quoi. C'est le moindre truc, le moindre mec qui vient, qu'on sent qu'il va foutre la merde, il va dégager tout de suite. Je n'ai jamais fait la course aux abonnés, jamais, jamais fait la course aux abonnés. Je n'ai aucun scrupule à mettre les gens dehors, non pas parce qu'ils ne sont pas d'accord avec moi. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, vous avez le droit de me donner vos opinions. Vous avez le droit, c'est le principe même du débat, c'est le principe même de s'enrichir les uns les autres. Mais venir pour dire t'es un connard, t'es une merde, t'es ceci, t'es cela, machin, compagnie, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Vous faites quoi de vos vies? Vous n'avez pas des vies, vous n'avez pas des amis, vous n'avez pas une famille, vous n'avez pas une petite copine? Vous êtes soi-disant amateur de jeux vidéo, vous pouvez pas plutôt jouer à des jeux vidéo, vous amuser? C'est amusant d'aller embêter des gens et de venir me casser les... Alors que moi, je vous l'ai dit, je m'en fous. Je suis blindé. Prenez-vous-en à moi, je me suis blindé. Je suis blindé. Attaquez-moi, c'est pas grave. Mais laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles.
Ils n'ont rien demandé. Ils veulent passer un bon moment. Et c'est ce que je m'efforce de faire. Voilà, point barre. Après, vous êtes jaloux? Vous êtes quoi? C'est quoi? Je vous fais peur? Ah, je vous fais peur, c'est vrai. Oh merde! Mais pourquoi? J'ai 19 000 abonnés, je suis tout petit. Qui ça dérange, ce que je dis? Ah, vous avez peur peut-être que j'ai 100 000 abonnés un jour? Et puis que je devienne dérangeant? Mais c'est quoi le problème? Je vous demande d'arrêter. Je vous demande. Soyez des adultes, merde. Vous voyez bien que le web, tout ça, Twitter, c'est tout, tout est devenu pourri. Vous voulez vraiment ce monde-là? C'est ce monde-là que vous voulez? De la délation en permanence? On va mentir sur des gens, on va colporter des ragots, des machins, des trucs? Heureusement que j'ai la communauté que j'ai. Parce que franchement, je ne comprends même pas ce que j'ai fait pour mériter une communauté pareille. Parce que les gens qui me suivent, certes, ils ne sont pas nombreux, machin, bio et compagnie. Pour l'instant, on n'est pas nombreux et compagnie. Mais il y a beaucoup de gens parmi vous qui disent « Ouais, la quantité, ce n'est pas la qualité. » Ben là, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je préfère avoir même 4 personnes qui me suivent. Même si j'ai 4 personnes qui me suivent, je continuerai à faire du YouTube. Et je continuerai à essayer d'apporter quelque chose à ces 4 personnes. Et je m'en fous. Et je m'en fous que, comment ça s'appelle, les autres, comment ça s'appelle, me croient pas, etc. Depuis que je suis sur YouTube, je vous ai annoncé plein de choses. Elles sont vérifiées aujourd'hui. À l'époque, tout le monde rigolait. Vous pouvez rechercher les vidéos. Quand il y a 4 ans, j'ai dit, comment ça s'appelle, le PlayStation Now qui arrive sur PC, en bêta, c'est le premier pas d'ouverture de Sony. Et à terme, les exclusivités, tout ça, ils arriveront sur PC, ils arriveront machin. À l'époque, on m'a insulté, on m'a dit « tu dis n'importe quoi, Sony, ils feront jamais ça, machin ». Qu'est-ce qui s'est passé? Quand 6 mois avant la sortie de Mass Effect Andromeda, j'ai pas jugé le gameplay, puisqu'il n'y avait pas de gameplay, il y avait une présentation de 3 minutes qui avait été faite. J'ai jugé la direction artistique. J'ai dit ça, ça ressemble à tout sauf à un Mass Effect. Il y a tout dedans sauf un Mass Effect. On m'a dit « ouais, tu peux pas dire ça, t'as pas le droit, on a vu que 3 minutes, machin et compagnie ». 6 mois après, tous les journaux disaient la même chose. Et c'était la vérité, je veux dire, si vous y avez joué, vous avez bien vu que c'est pas un Andromeda. Le gameplay était super, mais le jeu était pas bon. Quand j'ai dit que Cassandra, elle était canon, on m'a dit non, tu mens, t'es un menteur, c'est pas vrai, les deux personnages sont canons et tout. Mais je savais qu'elle était canon, Cassandra. Il y a des mecs qui ont fait des vidéos pour ne pas le nommer Jonathan. Merci beaucoup, Anthony. Ah bah non. Ah bah non, Anthony, merde. Non, Anthony, avec la soirée que t'as passée hier à cause de moi, c'était vraiment adorable. Mais comment on s'appelle à chaque fois que j'ai annoncé un truc, comment on s'appelle, on m'a toujours pris pour un rigolo, on m'a toujours pris pour un charlot. Mais au final, ça s'est fait. Quand j'ai fait une vidéo où je parlais des meilleurs jeux de 2018. Alors que le PDG de Rockstar avait dit 2 jours avant que Red Dead Redemption ne sortirait jamais sur PC. Il avait dit « je ne sortirai jamais sur PC ». Dans la vidéo, j'avais dit le « Red Dead Redemption arrivera cette année à telle date » et 1 an plus tard sur PC. Mais je le savais. Vous croyez quoi? Vous croyez que quand je dis un truc, je ne le sais pas? Sauf que je ne me vante pas de plein de trucs comme d'autres. Je vous dis les choses que je sais. Et c'est avéré. Quand je parlais de Cassandra tout à l'heure, que j'ai dit qu'elle était canon, que Jonathan, il a dit non, c'est pas vrai, c'est un menteur, il dit des conneries, qu'il a voulu me tourner en ridicule, voilà, il en avait après moi, je sais même pas pourquoi il en avait après moi, ce garçon, si ça pouvait lui faire plaisir, tant mieux, mais il le fêtait que quoi? Qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui dans Valhalla? Est-ce qu'on a Alexios dans Valhalla? Non, on a Cassandra. Et puis Cassandra, on la reverra encore, vous pouvez en être sûr. Tout ce que je vous ai prédit, ça s'est produit. Il y a une chose sur laquelle je me suis trompé, une seule chose. C'est qu'un jour, j'avais fait une vidéo en vous disant « Surveillez bien le 3 2018, vous risquez d'être content parce qu'on risque d'avoir un petit Sam qui devrait faire son retour. » Mais parce qu'à l'époque, je savais qu'il y avait ça. Mais ce jeu-là, finalement, ils ne l'ont pas montré parce que finalement, ils ont préféré... au dernier moment, dire non, on fait pas comme ça, on va le refaire autrement. Et finalement, ils ont tout annulé et ils sont partis sur un remake. Ça, normalement, j'ai pas le droit de vous le dire. J'ai pas le droit de vous le dire, normalement. Mais c'est pas grave.
Mais moi, je m'en fous qu'on vienne et qu'on me dise que je suis un con et que je dis des conneries, etc. Parce que le temps m'a toujours donné raison. Jusqu'à maintenant, le temps m'a toujours donné raison. Cassandra, les canons. Quand on a été avant qu'on sache que c'était en Grèce, tout le monde disait le Japon. Moi, j'avais envie de dire non, les gars, ça sera pas au Japon, machin, etc. Je me suis fait démonter la gueule. C'est pour ça que Jonathan avait fait sa vidéo en disant ouais, il dit des conneries, machin, au milieu des compagnies. Mais j'avais dit quand on vous dira que ça sera en Grèce, regardez la vidéo. Hein, j'avais dit quand on vous dira que ça sera en Grèce ou ailleurs, parce que je pouvais pas dire que la Grèce, parce que sinon je rompais un NDA. Et donc j'ai dit quand on vous dira que ça sera en Grèce ou ailleurs. Et finalement, il était où, Assassin's Creed Odyssey? Il était en Grèce ou au Japon? Et à quel moment il est venu s'excuser, le mec? Et à quel moment tous les gens qui m'ont craché à la gueule sont venus s'excuser? Alors, que vous veniez m'emmerder, moi, parce que ça vous emmerde plein de trucs, je sais pas, d'accord. Mais ne venez pas emmerder la communauté. C'est tout. Voilà, point barre. Donc maintenant, on va pouvoir faire ce pourquoi normalement je suis là, c'est-à-dire vous faire passer, je suis désolé, hein, je suis là pour vous faire passer à la base une bonne soirée. Donc c'est ce qu'on va faire, on va lancer God of War, on va fail sur God of War comme hier. J'ai branché ma manette comme hier pour s'il y a un petit problème de caméra, et puis j'espère que ce soir ça va bien se passer, parce que si ça se passe mal, est-ce que la double sécurité, c'est quand on met notre numéro de téléphone au cas où il y a une connexion suspecte? Oui, c'est ça, ouais, c'est exactement ça, Plaire. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu mets la double sécurité, quand tu vas te connecter avec ton login et ton mot de passe, ça va te dire qu'on va t'envoyer un message. Tu vas recevoir un texto qui va te donner un code, et ce code tu le rentres, et puis une fois que tu as validé qu'il voit bien que c'est le bon code, là tu te connectes. Par exemple, je sais pas, je vais te dire une connerie, PayPal, si tu n'as pas la double sécurité, tu mets ton adresse mail, puis tu mets ton mot de passe, tu te connectes et hop, tu es connecté. Alors ça, tu peux te le faire pirater facilement. Après, tu peux demander à avoir la double vérification. Ça veut dire que quand tu as la double vérification, tu mets ton adresse mail, ton mot de passe. Après, tu as un autre bouton qui apparaît et qui te dit on va vous envoyer un SMS à tel numéro de téléphone. Tu confirmes, tu reçois ton SMS, tu regardes le code, tu le rentres et tu valides, et il te laisse rentrer sur ton compte PayPal. Et si le code il est pas bon, il ne te laisse pas rentrer sur ton compte PayPal. Donc du coup, on ne peut pas te machiner. Donc ça, faites-le vraiment tous. Parce que hier, c'était un truc, on va dire, c'est dégueulasse, hein, ce que le mec a fait hier. Hein. Faire dire des choses, usurper l'identité de quelqu'un et lui faire dire des choses que tout le monde hier croyait que c'était lui, en fait. Hein. C'est dégueulasse. Imaginez, on prend votre nom et en votre nom, on va dire des saloperies partout, à droite, à gauche et compagnie. Et puis demain, vous arrivez au boulot et tout le monde vous jette sur vous en vous disant machin. Vous imaginez le truc? Et tout ça pour me faire chier, moi? Mais c'est pas moi que ça a fait chier. C'est pas moi, parce que j'en avais rien à foutre de ce qu'il disait, le mec. Moi, j'ai passé une bonne nuit. Sauf que Anthony, lui, non. Donc voilà, donc n'hésitez pas à le faire. Donc nous, on va partir. Bon, on a encore fait une heure. Je voulais pas faire longtemps sur ça, mais on a encore fait une heure, je suis désolé. Mais je tenais vraiment à ce que vous soyez au courant. Je vais faire une vidéo beaucoup plus calme. Je vais faire une vidéo beaucoup plus calme, parce que là vous n'êtes pas énormément à regarder le live. Donc je vais essayer de la faire pour demain, pour que tout le monde sur la chaîne puisse être informé de ça, et que tout le monde puisse se protéger de gens comme ça. Et encore toutes mes excuses à Anthony. Je te dis vraiment, ça m'a foutu en boule, ça m'a foutu en colère. Qu'on s'en prenne à moi, ça, c'est normal. Enfin, c'est normal, non, c'est pas normal. Mais bon, ça fait partie du travail, ça fait partie du boulot. Je réponds pas en général, je m'en fous. À moins qu'on vienne dire des conneries ou qu'on vienne me diffamer ou autre. Mais ce qui était avant un espace de détente, un espace de partage, etc., YouTube, c'était ça. C'est devenu n'importe quoi.
Et je trouve ça lamentable. Et alors, surtout, l'inaction de YouTube. Et YouTube. Vous vous rendez compte que quand je vous ai contacté, YouTube, quand je vais le renommer, hein, c'est pas grave, hein, je m'en fous, hein, Jonathan, vous avez vu, les mecs m'ont dit « Ouais, non, mais c'est une vidéo parodique. » C'est pas une vidéo parodique que je vous demande. Je vous demande de lire les commentaires en dessous. Les commentaires, c'était « On va lui casser la gueule. Si on le croise dans la rue, on va lui péter les guibolles. Si il a qu'à crever, cet enculé. » Et puis, Jonathan, il mettait des petits cœurs partout. Et la vidéo, si vous voulez la voir, vous pouvez aller la voir, hein, les commentaires. C'est « J'emmerde Relax Gaming de mes couilles. » Voilà, elle est toujours disponible. J'ai discuté avec lui, je lui ai demandé de l'enlever, la vidéo. Il m'a dit « Oui, t'inquiète, je vais l'enlever, machin, truc, bidule et tout. » Pierre Vela, il n'a rien enlevé du tout. Il n'a aucune parole. Elle est toujours là. Et ça continue, pareil, à circuler sur YouTube. Et puis, bah, les gens, ils voient ça, alors ils croient cet abruti, et puis ils ne me connaissent pas, ils viennent me casser les couilles. Voilà. Puis en même temps, bah, ils vous emmerdent, vous. Voilà. Et YouTube, alors, se décharge complètement. Alors ça, pour eux, pour prendre des milliards et des milliards et des milliards avec des chaînes de piratage de jeux, de machins, de trucs complètement illégaux, de laisser les gens faire inciter à la haine raciale ou inciter les gens à être antiféministes ou machin, bidule et compagnie. Alors ça les dérange pas, hein, tant qu'ils donnent du pognon. Hein. Ouais. Après, quand tu les appelles, c'est « Ouais, faut contacter la police. » Bon à rien, YouTube, vous êtes des bons à rien.